Bonjour CJ, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Si vos accompagnements piano sont pauvres, plats, qu'ils manquent de saveur et de piment, on va voir tout de suite comment remédier à cela en jazzifiant votre jeu. Rien de mieux que l'harmonie jazz pour pouvoir apprendre à embellir un accord. Admettons, vous avez un accompagnement de chanson à faire, vous avez une chanson en 4-4 avec les accords suivants. Ré mineur, en 4 temps, Sol majeur et Do majeur. Ok, c'est une cadence de 5-1, rien de plus classique, de plus normal. Sauf que si vous accompagnez uniquement avec des triades, d'accord, on est dans de la variété, mais ça risque d'être vite pauvre, plat, ça manque de saveur, vous allez franchement vous lasser et l'auditoire peut être lassé. Comment on pourrait apporter un peu de piment là-dedans, ajouter de la couleur, que ça puisse un petit peu surprendre notre auditoire? Alors, voilà deux couleurs que vous allez pouvoir rajouter sur ces couleurs, sur ces accords-là. Et vous allez voir que vous allez pouvoir ensuite appliquer ce principe sur la plupart des accords, donc mineur 7, 7e et majeur 7, c'est-à-dire en fin de compte les accords principaux qui se trouvent au sein d'une même tonalité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ces accords. Donc sur l'accord mineur, vous allez jouer une triade de ré mineur, toute simple, hein. Vous savez qu'un accord c'est une superposition de tierces. Là on est en tonalité de do majeur, c'est très simple, on n'aura que des touches blanches. Eh bien vous allez tout simplement rajouter une tierce au-dessus de la quinte, vous allez ainsi avoir la septième mineure, et une tierce au-dessus de la septième mineure, vous allez avoir une neuvième. Ça va vous former un accord de ré mineur 9. Écoutez cette belle couleur, c'est important d'écouter évidemment. Waouh, de suite, on a jazzifié notre accord. Ok? Ensuite, on va faire la même chose pour l'accord de sol septième, donc en fait sol, hein. On prend la triade de sol. Donc là, on est en do majeur, donc l'accord de sol, si vous voulez, c'est l'accord dominant, c'est l'accord septième. Donc on va rajouter la septième. Donc on a sol majeur ici, fondamentale, tierce majeure, quinte. On rajoute la septième mineure. Et on rajoute la neuvième, ici le la. Donc fa et la. On a superposé deux tierces au-dessus de notre ré. Ok? Donc fondamentale, tierce, quinte. Je superpose une tierce au-dessus de la quinte. On a le fa. Je superpose une tierce au-dessus du fa. J'ai le la. Et j'ai un sol neuvième. J'ai rajouté la septième mineure et la neuvième majeure. Écoutez cette belle couleur. Waouh! De suite, ça le fait. Là, il y a de la matière. Bien sûr, on ne va pas les jouer comme ça, les accords. Je vais vous montrer ensuite des positions d'accords qui sonnent, inspirées des voicings jazz. Voilà, c'est des petits secrets harmoniques que vous allez pouvoir utiliser dans plein de contextes pour embellir et enrichir vos accompagnements. Et ensuite, le Do majeur. Vous allez jouer la triade de Do majeur, tout simple, Do, Mi, Sol. Et puis, vous allez rajouter la septième majeure et la neuvième majeure. Donc, la clé, c'est de pouvoir rajouter la septième et la neuvième. Alors bien sûr, vous voyez, sur un accord mineur 7, la septième elle est mineure, la neuvième elle est majeure. Sur un accord de sol septième, la septième elle est mineure, la neuvième elle est majeure. Et sur un do majeur 7-9, la septième elle est majeure, et la neuvième elle est majeure. Donc à chaque fois, le petit secret, vous rajoutez à vos triades la septième majeure et la neuvième. Bien sûr, ça sonne déjà, on entend les couleurs, même si on les joue comme cela en état fondamental, en superposition de tierces. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Mais bien sûr, on ne va pas les jouer comme ça. Je vais vous donner en plus la possibilité d'aller plus loin et de créer, enfin, et d'avoir un agencement de notes particulier inspiré des voicings jazz. Et vous allez voir comment ça va sonner. Donc, on va jouer pour le ré mineur. Fondamental à la main gauche. Et à la main droite, vous allez faire tierce mineure, quinte, septième mineure, neuvième majeure. Bon, bah en fait, c'est très simple. On a joué. Là, on a rien modifié, on a joué une superposition de tierces. C'est juste qu'on a joué dans les médiums, c'est là où ça sonne le mieux. Et on a joué la fondamentale plutôt un peu plus dans les graves. Ok. Waouh! Là, de suite, ça le fait, hein. Regardez la différence, écoutez la différence. Ré mineur, tout simple. Ok, bon. Écoutez maintenant. Bien sûr, après, vous allez pouvoir choisir. Est-ce que je rajoute juste la septième? Est-ce que je rajoute uniquement... Je fais entendre uniquement la neuvième? Vous pouvez jouer sur les arpèges après.
et modifier votre couleur. Vous allez pouvoir choisir des notes un peu qui sortent un peu du cadre de ce template, de ce voicing. Ok. Maintenant, pour le sol 9e, vous allez faire fondamental, 7e mineur, donc le Fa, le La qui est la 9e, le Si qui est la tierce majeure et le Ré qui est la quinte. Ok ? Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait ? Et pourquoi on a changé cette harmonisation ? Pourquoi on a agencé les notes différemment comme cela ? Pour plein de raisons. Déjà, vous avez ici un agencement de notes qui va frotter entre dissonance et consonance. C'est toute la magie et le charme et la beauté du jazz. C'est à la fois dissonant et juste harmoniquement. Vous voyez ici, il y a ces intervalles il y a un intervalle de seconde ici. Ça peut frotter et en même temps, l'accord, il est tellement beau. Vous voyez, et donc en même temps, vous voyez par rapport à l'accord qui précède, on a minimisé le déplacement des notes. On a des notes communes et on a très peu de déplacement entre les notes. On a parfois un déplacement d'un demi-ton ou un ton maximum. Et donc ça nous donne quelque chose d'harmonieux. On minimise le déplacement des notes par rapport à l'accord précédent. On bouge presque pas finalement, il y a presque rien qui bouge là entre les deux accords. Vous voyez que chaque note au sein d'un même accord va former donc une mélodie, soit formée de notes communes ou de petits déplacements comme ça en demi-ton ou en ton. Et donc, c'est super. On n'a presque pas à bouger et de suite, ça sonne. Ok, donc. Et pour le Do majeur 9, on va faire la même chose. On va aller au plus près. Voilà. C'est-à-dire, j'ai fait fondamental main gauche, tierce majeure, quinte, septième majeure, neuvième, mi, sol, si, ré. Tout simplement, j'ai formé mon accord en superposition de tierce. Vous vous rendez compte? Alors, je rejoue les trois. Vous vous rendez compte comme la chanteuse va être contente, là? Alors, il y a une autre façon de faire. On va prendre un deuxième chemin, ce qui va vous permettre d'avoir de la variété. Vous n'allez pas tout le temps faire la même chose. Vous n'allez pas tout le temps faire comme ça. Là déjà, on peut rajouter plein de petites variantes en modifiant un petit peu les notes, en allant chercher des notes qui font partie de la tonalité de Do majeur. Mais on a un autre chemin qu'on va pouvoir utiliser. On va faire fondamental à la main gauche. Et cette fois-ci, on va partir avec une autre position, on va jouer la 7e mineure, la 9e majeure, donc le Do, le Mi, le Fa qui est la tierce mineure, et la quinte qui est le La. Et de suite, on a une deuxième position pour notre accord de Ré mineur, ok. Et du coup, pour le Sol 7e, on va jouer fondamental, tierce, quinte, 7e, 9e, c'est-à-dire fondamental, Si, Ré, Fa, La. Pareil, on a adapté le renversement de façon à être au plus près de notre accord qui précède pour avoir comme ça cette harmonisation spéciale. Et ensuite, pour le Do majeur 9, on va faire fondamental. 7e majeur le Si, le Ré qui est la 9e, le Mi qui est la tierce majeure et le Sol qui est la quinte. Vous voyez un petit peu toute la subtilité du truc, quoi. Donc, alors, bien sûr, vous allez jouer avec des nuances, vous allez arpéger, vous allez faire vivre vos accords, vous allez mettre du relief dans tout ça, dans la façon de jouer. Et vous voyez déjà, vous avez deux chemins différents. Si on résume, finalement, pour chaque accord, il y a deux positions que vous allez choisir en fonction, de façon à être plus près toujours de l'accord qui précède. Vous voyez, sur cette deuxième façon de faire, voilà, on a juste, quand j'ai joué mon Sol, après mon Ré mineur 9 ici, j'ai juste déplacé le Do vers le Si, le Mi vers le Ré. Et c'est tout. Et ensuite, lorsque j'ai joué mon Do majeur, vous voyez, j'ai juste Do majeur 9, j'ai juste déplacé le Fa vers le Mi et le La vers le Sol. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ça. Ça permet d'avoir à la fois très peu de déplacement de notes. On crée des mélodies pour chaque note des accords. Et en même temps, on a des dissonances. Vous voyez ici cet accord, on a ici un intervalle de demi-ton. Ça frotte. Il y a de la dissonance. Et en même temps, il y a de la consonance aussi. C'est à la fois... Vous voyez, c'est pour ça que c'est beau, en fait, ce type de voicing jazz. Parce qu'on a
Voilà, on a quelque chose de juste harmoniquement et en même temps, on va chercher, on va titiller un petit peu les oreilles avec des agencements de notes un petit peu qui pourraient paraître dissonants. C'est ça qui est très appréciable très fin dans ce style, qui est juste incroyable. Donc, je vais vous résumer cela. En gros, on a deux positions types. On a pour le ré mineur du coup, hein, on a fondamental, tierce, quinte, septième, neuvième, fa, la, do, mi, ou bien fondamental, septième mineur, neuvième, tierce mineur et quinte. Ok. Pour le sol neuf, on a fondamental, tierce, quinte, septième. Qu'est-ce que je raconte ? On a tierce, quinte, septième, neuvième. Ok. Donc si, ré, fa, la. Ou bien, donc à chaque fois c'est une superposition de tierces, ici c'est facile, on commence sur la tierce, ou bien on commence par la septième, avec la fondamentale, la septième, la neuvième, donc fa la, la tierce majeure le si, et la quinte le ré, ok? Et pour le do neuf, les deux positions, c'est donc fondamentale, tierce le mi, donc fondamentale do, tierce le mi, ensuite sol la quinte, si la septième majeure, et ré la neuvième, ok? Ou bien... On part de la septième majeure avec fondamentale à main gauche, septième majeure, donc le si, le ré la neuvième, le mi la tierce et le sol la quinte. Voilà. Donc retenez ces deux positions types pour ces trois accords avec ces couleurs essentielles qui sont pour l'accord mineur 7, l'accord septième et l'accord de do majeur. Je vous invite bien sûr à transposer ces couleurs dans d'autres tonalités. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ça vaut le coup d'explorer ces accords-là, de vous les approprier, de les apprendre par cœur dans plein de tonalités. Et dès votre prochain accompagnement, essayez de placer ces couleurs-là. Vous allez voir comme ça va tout de suite apporter beaucoup de richesse à votre accompagnement piano. Et ça va vous donner plein d'idées, ce sont comme des templates que vous allez pouvoir ensuite modifier, vous allez pouvoir ensuite trouver vos propres couleurs. Et n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est que ça passe par vos oreilles. N'oubliez pas d'écouter, de chanter, d'apprécier ces couleurs. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous mets deux autres vidéos qui seraient susceptibles de vous plaire si vous voulez aller plus loin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.